Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nerdscribble, dans une autre vidéo audio commun. Aujourd'hui, nous allons recevoir encore une personne qui va nous donner son témoignage par rapport à la nourriture. Nourriture, regardez l'écran, regardez l'écran. Oh, c'est extraordinaire. Il y a de la bonne nourriture. Qu'est-ce que c'est? Apparemment, c'est beaucoup de poissons. Poisson braisé, du poulet braisé, et tout le monde vient pour en acheter. C'est extraordinaire. Vu que les restaurants sont maintenant ouverts, c'est extraordinaire. Mais faites attention à vous, les frères et sœurs, parce que ce ne sont pas tous ceux qui se vendent sur le marché qui sont bons à consommer. Ce n'est pas tous ceux qui se trouvent sur le marché qui sont bons à consommer. Faites très très attention quand même. C'est pourquoi avant de manger, il faut prendre juste un petit moment pour prier sur la nourriture. Prier sur la nourriture afin que tout ce qui est envoûtement puisse disparaître. C'est nécessaire. C'est nécessaire avant de manger. Et ce témoin puissant ici va vous permettre de comprendre pourquoi. Ça va vous permettre de comprendre pourquoi. Ici, nous allons voir cet homme qui va nous expliquer comment un jour à une fête de leur parti politique, là-bas, les gens ont préparé de la chair humaine, genre pour donner aux gens à manger. Il va tout nous expliquer ici. Comment il a découvert ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous serez même surpris. Comme c'est un témoignage terrible et que ça nous révélera des choses hors du commun, je pense qu'il est bien compris pour nous protéger. Demandons à Dieu de nous garder, de nous préserver du danger et de nous donner la force de pouvoir nous souvenir qu'on doit prier avant de manger souvent. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? Si c'est le cas, fermons tous les yeux ensemble et disons Seigneur Jésus. Oh notre Dieu, s'il te plaît, ne nous laisse pas en danger. Ne nous laisse pas dans les problèmes. Viens nous aider toujours dans les dimensions où nous-mêmes on ne peut pas arriver. Sois là-bas pour nous précéder et nous sortir d'affaires, nous sortir des ennuis, nous sortir des problèmes. On le dit, le diable a décidé d'utiliser la nourriture comme une arme pour déstabiliser spirituellement ceux qui prient. S'il te plaît, Seigneur, viens nous libérer de toutes ces choses. Tout ce que nous avons consommé hier, tout ce que nous avons consommé aujourd'hui, qui n'était pas à ta gloire, qui était même impur, s'il te plaît, Seigneur, délivre-nous de cela. Désenvoûte-nous aujourd'hui, de loin comme de près. Tout ce que nous avons acheté sur le marché, sur lequel on n'a pas prié et nous avons consommé, qui nous crée des problèmes et on ne sait pas, s'il te plaît, Seigneur, viens nous libérer de cela aujourd'hui. Et révèle-nous comment ça s'est passé afin que nous ne puissions plus retomber dans les mêmes actions. La nourriture, oui, la nourriture est un danger aussi pour la santé spirituelle quand cette nourriture est envoûtée. S'il te plaît, Seigneur, viens nous libérer de toutes ces vilaines choses qui se vendent sur le marché. Viens nous libérer de tout ce qui a lieu, même dans les fêtes, même dans les réunions, même les samedis comme aujourd'hui. Quand les gens font du grand n'importe quoi dans les restaurants pour nous vendre. S'il te plaît, Seigneur, que cela n'ait pas d'effet sur nous. Que ta main soit sur nous pour nous garder. Et éloigne nos enfants de ces problèmes. Même dans les écoles, en récréation, quand nos enfants sortent pour acheter la nourriture. S'il te plaît, Seigneur, que leur main soit ta main. Afin que tout ce qui touche soit purifié et que leur santé ne soit pas mise en danger. Merci, Seigneur. Merci Jésus, de ce que grâce à toi aujourd'hui, nous allons vivre longtemps. Nous te remercions Seigneur, parce que tu nous permettras de découvrir ce témoignage et de comprendre ce qui est à l'intérieur pour sauver notre vie demain. Nous comptons sur toi Seigneur, pour nous aider dans la compréhension de ce témoignage puissant. Amen. Apprécie mes frères et sœurs. Apprécie mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Waouh! Faire un témoignage puissant ici sur ce bon, c'est pas évident. C'est que la grâce de Dieu.
Et cet homme va nous expliquer comment la nourriture peut affaiblir spirituellement les gens qui prient. Jean, toi tu pries beaucoup. Spirituellement parlant, tu as une force. L'ennemi cherche à t'atteindre, ils ne peuvent pas. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à savoir quelle est ta nourriture préférée afin de venir te la donner de sorte qu'en consommant cette nourriture, tu puisses t'affaiblir spirituellement. Est-ce que c'est possible? Si vous pensez que c'est une histoire et que c'est de la blague, après avoir entendu ça, vous serez même surpris. Comme je vous l'ai dit, c'est une histoire qui s'est déroulée dans une fête, la fête de son parti politique. Parce que c'est lui-même qui a raconté ce témoignage. Lui, il était un garde-corps. Et il était un garde-corps d'un homme très important du pays. Il y a une fête de leur parti. Et au cours de cette fête-là, forcément, il devait préparer et boire. La nourriture qu'ils avaient préparée là, en fait, la nourriture là où ils étaient allés préparer, en fait, les personnes là même qui préparaient là, parmi ces personnes-là, il y avait beaucoup de mauvaises personnes là-dedans. Et ce qu'ils étaient allés préparer, vraiment, c'est terrible. Ils vont nous raconter s'il y avait beaucoup de détails. Est-ce que vous êtes prêts à l'écouter? Si vous êtes prêts, comptons ensemble jusqu'à 3. 1, 2 et 3. C'est parti. Et le parti politique est tout droit dans Tomikaka. Un jour, on était avec notre patron dans une fête. C'était l'anniversaire du parti politique où je travaillais. Baritaga bantu bakila namna bakutoka mu quatre coins yote ya République. On avait invité tout le monde dans tous les pays. On avait invité des gens. C'était à l'époque des Zaïre. Il y avait des porcs. Bangombe na bankuku. Il y avait des vaches et même des poules. Nous, on était derrière notre chef parce qu'on était en train de regarder. Comme on était à quatre, un pouvait entrer dans la cuisine, il mange, dès qu'il termine, il vient, il prend la place, une autre personne pouvait quitter, ainsi de suite. C'est promener avec des autorités, j'ai découvert beaucoup de choses. Alors vous pouvez prendre la bière, mais ne touchez pas à la nourriture parce qu'elle est déjà souillée. On avait dit notre papa encore exagéré. Tout le monde est en train de manger. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas que nous nous puissions manger? Là, il nous dit qu'ils sont arrivés là-bas. Lui, il est garde-corps d'un homme riche, d'un homme important du pays. Et il arrive là-bas avec le monsieur. Ils sont tous en position. Et leur patron, c'est-à-dire le ministre, leur dit, ne mangez rien de tout ce qui se trouve ici. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il va parler lui? Nous sommes venus à une fête. C'est la fête de tout le monde boit, tout le monde mange. Et tu dis qu'il ne faut pas avoir mangé. C'est devenu une discussion. Mais ils vont finir par comprendre pourquoi. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Ce qu'on entend de se dire, il avait entendu ça. Il a enlevé ses lunettes. Il m'a demandé, va à la cuisine. J'ai mis les lunettes, j'ai regardé dans la cuisine. Il est ma biungu ya mirefu, il est manyama na kutanisha mu ma mikono ya bantu macho mashikio niliangushaka na makalashi na pasuka. Sa ule mama mwenye alikuwa anapikaka anaanza kunichambua. Ni nini? Au shikia hata sasa pale unaona njoo unapatia mu nini? Mimi naona nini? Na yana yeye aje asema mimi naona. Alors quand j'ai sorti, arrivé dans la cuisine, j'ai constaté que ce sont les, il y avait les mains des gens, les yeux, ils ont préparé vraiment des mauvaises choses, ils ont même fait tomber les lunettes, qui sont cassées. La maman n'était pas contente, elle a commencé à gronder sur moi en disant, qu'est-ce que tu veux, même si tu as vu, qu'est-ce que ça t'est fait maintenant? Wow. Avant la fête, il y avait déjà mort d'hommes dans notre parti. Et notre chef le savait depuis bien longtemps. On voulait envoyer cet esprit là-bas dans les gens et d'autres ont pris la nourriture dans des sachets et ils ont emmené ça chez eux à la maison. Et nous, les enfants de Dieu, nous ne vivons par la grâce. Église, tu dois
dois commencer à remercier Dieu même dans tout ce que tu ne vois pas avec tes yeux. Dis seulement merci Seigneur. Merci, Seigneur. Toi, un enfant de Dieu, tu es en train de craindre Dieu. Tu es en train de faire des sacrifices à Dieu. Tu vas entrer dans cette fête. Et si tu touches à la casserole, tout sera purifié. Si tu touches seulement, tout sera purifié. Et tout le monde peut manger seulement sous ta tête une bonne nourriture. Église Shikia, écoute Église, Pharaon, sorcier. Pharaon c'était un sorcier. Il était vraiment très puissant. Pourquoi il voulait vivre avec Joseph dans sa cour royale? Du côté de Joseph, il voyait une grande puissance et l'esprit était supérieur et l'intelligence était vraiment en abondance chez lui. C'est comme ça qu'il avait dit, où est-ce que nous pouvons trouver une autre personne qui est sage et avoir une intelligence comme l'intelligence qu'il a? Si tu vas chez quelqu'un qui l'a préparé, si tu sais qu'il ne prie pas, avant de manger, prie d'abord pour la nourriture. Même s'il a déjà commencé, toi tu peux même toucher à la nourriture, tu pries même à l'intérieur afin que Dieu puisse purifier la nourriture. C'est pas que tu auras la sorcellerie. Il y a d'autres personnes, si tu manges sa nourriture, la puissance de la prière est en train de diminuer. C'est comme ça qu'on écoutait d'autres personnes de Dieu qui travaillaient. Aujourd'hui on n'entend plus parler d'eux. C'est pas qu'ils ont péché, c'est pas qu'ils ont fait quelque chose de mauvais. Ils n'ont pas eu de discipline en matière de choses à manger. Ils mangeaient n'importe où, de n'importe quelle manière. À un moment donné, celui qui est possédé pouvait tendre un piège. Au moment où la personne mange, diminue en matière de la puissance de la prière. Vous avez vu ça? Il a vu avec ses yeux spirituels ce que les gens étaient en train de préparer là-bas dans la cuisine et ce que les gens mangeaient. Mais finalement, il nous décrit ici qu'il y a des nourritures envoûtées comme ça qui se trouvent un peu partout. Quand vous les voyez, vous devez vraiment les éviter. Sinon, priez là-dessus pour que Dieu puisse désinfecter cela. Sinon, ça va avoir forcément un impact sur votre vie spirituelle. Vraiment, faites très attention à la nourriture que vous consommez. Ça, je vous assure. Et l'ennemi peut vous tendre un piège par là. On le dit sur l'ouverture des restaurants. Oui, c'est bien. Mais quand même, faites attention à ce que vous mangez et priez là-dessus surtout. Amen. 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 Aller à une fête, ce n'est pas mauvais. Tu dois regarder c'est à quelle fête où tu veux aller. Parce que dans des fêtes, beaucoup de gens se perdent. À ce niveau là-bas, il y a les dérangements des mamans, des enfants. Amen. 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 Aujourd'hui, nous allons voir un autre point. Je vais vous parler à propos de la bague serpent et la puissance des sirènes et l'origine du succès des musiciens. Pourquoi je demande aux gens de laisser ces musiques là-bas? Dans de telles musiques, à un moment donné, ils sont en train de dire de mauvaises choses sur Jésus-Christ. Ce sont des antichrists. Ils amènent seulement Jésus de Londres en avant. Dans la Bible, Jésus de Londres n'existe pas.
Sasa tutajua demo kani anatumikaka na ba musicien ba kidunia benye kuimba hii mimbo bantu wanapenda leo. Alors aujourd'hui nous allons connaître les démons qui est en train de travailler avec les musiciens profanes et c'est une musique qui est vraiment aimée par tout le monde. Là, nous parlons qu'il y a des démons même qui travaillent avec des stars de la musique pour envoûter les gens encore. Donc, après, il y a la nourriture pour envoûter. Hein? Et maintenant, il y a la musique aussi pour envoûter les gens. Comment c'est possible? C'est tout de ouf quand même. Écoutez. Chaque jour, il y a un démon que le diable a déjà mis à la tête de la journée. Et chaque démon a un rôle bien déterminé. Jana niliwaambia juu ya demo wa mercredi Marie de Marigoy. Marie de Marigoy c'est elle le témoin de mercredi. Manake kuma couvent utakutanisha ba sœur bako natembea paka na chapelet. Au couvent tu trouveras des sœurs qui sont en train de se promener seulement avec des chapelets. Mercredi ni kalaka ni journée yake. Le mercredi c'est une journée consacrée à elle. Ilikuwa ni mambo ya barome me bane imposer muma c'était un problème de Romains, mais ils ont imposé ça dans tous les pays du monde. Et même dans des sectes mystiques, le mercredi, ils ont un culte d'adoration. Ils sont en train d'adorer ces démons là-bas, Marie. Église, oui, chrétien, à part Kouingamo Amork. Toi, un chrétien, tu ne peux pas entrer dans Amork. Je vois d'autres chrétiens qui fréquentent la morgue. Ce n'est pas la morgue. La morgue, ancien mystique de l'ordre de la Rose-Croix. Non, je vais lire ma brochure. Rose-Croix a une science, a une religion, mais ni bouloge, ni branche, na yo ya bouloge. Shetan a purifié. Ane présenté comme une université ba intellectuel ba nepokela ba kwanza ba nona sema ni science beko ni jifunza mais chini muko ma sacrifice humain ile banafanyaka. La Rose Croix ce n'est pas une science, ce n'est pas une église, c'est une branche de la sorcellerie seulement que le diable a essayé d'habiller ça avec de bonnes choses et présenter ça dans des universités et les étudiants croient que c'est une science, là en dessous il y a de la sorcellerie. Magie blanche. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en train de glorifier la magie blanche. C'est une très bonne magie. Ni magie propre qu'on va saidia. Ça aide beaucoup. Église, jina magie. Le nom magie. Il toka ni kwa shetani. Ça vient du diable. Dans Deutéronome, Dieu est en train d'interdire qu'on ne puisse pas trouver dans ta maison un magicien. La magie, c'est une branche qui vient du monde des ténèbres. Pourquoi on appelait ça magie blanche? Parce que bantu ba kwanza kutumia ile magie ni ba occidentaux manake ba européens ba koka ba kwanza inatoka mule mu planète Saturne inaingia mu continent ya Europe à partir ya ule Jésus de Londres. Alors pourquoi on appelle ça magie blanche? Parce que les blancs ou les européens ont été les premières personnes à utiliser cette magie. Quand ils avaient quitté la planète Saturne, c'est arrivé d'abord chez eux là-bas, ils ont utilisé ça, c'est comme ça que c'est parti dans tout le monde. Manake ule Jésus de Londres. Et Jésus de Londres, les Romains l'appellent Belbite. C'est lui le démon géant qui contrôle le continent Europe. Dans la magie blanche, il y a Maïkari, il y a la Rose Croix, il y a la nécromancie, message du Graal, message du Graal, il y a les écancars. Le démon supérieur qui travaille avec les cancars, il avait donné un enfant en Allemagne à quelqu'un. Ils ont eu un enfant. Cet enfant, c'était un homme démon. Wow. Et on l'appelle Manta. Même aujourd'hui, il est vivant. On le met souvent sur les photos des
Et quand cas. Donc bon, on a sema pas place, il y a Saint-Esprit, banaombaka ou le mante qu'on va saidi à sana. Et ils disent à la place de Saint-Esprit, ils sont en train de prier cet homme parce qu'il les aide beaucoup. Mwile ma secte zaidi munengiaka ni bantu bakufunza njo baningiaka. Dans de telles sectes, il y a que des gens qui ont étudié qui y entrent. Bana trompa ka bantu je. Ils sont en train de tromper les gens comment? Beko nonesha Biblia. Ils sont en train de vous montrer la Bible. Beko nasoma ko tuma passage tumo ya hivi. Ils sont en train de lire quelques passages. Me batakupacha ma brochure ngine kama kuna soma unawezi kutraverser miru na toka ngamba. Ils vont te donner d'autres brochures. Au moment où tu es en train de les lire, tu peux passer par le mur. Waouh! Vous avez vu ça? Il y a vraiment des choses terribles dans ce monde. Et nous devons vraiment faire très, 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 très attention. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez appris quelque chose et que vous pensez que nous avons bien fait cette vidéo, laissez tous un j'aime. Vous pouvez également partager cette vidéo pour que d'autres personnes puissent comprendre que dans la vie, sur la terre ici, vraiment, il y a beaucoup de mauvaises choses. Il faut être bien protégé et avoir vraiment la main de Dieu sur soi, quoi. Et la meilleure protection, c'est en Jésus-Christ. Vous devez prier avant de manger. Surtout ça, il faut prier avant de manger. Sachez où vous mettez les pieds. Il y a certains endroits où vous pouvez aller, vous pouvez penser que vous allez pour prier Dieu. Or, c'est même le diable qui est là-bas. Toutes ces choses-là, ce sont les choses à éviter. Des choses qui se présentent sous la forme d'une bonne nourriture, mais en dessous, c'est l'envoûtement, c'est la sorcellerie. Ce sont des choses qui sont en train de se propager de plus en plus. Les restaurants ont commencé à s'ouvrir après cette affaire de confinement. Donc, après le déconfinement, vous devez vraiment être très vigilant aussi pour ne pas retomber dans de mauvaises choses. Faites attention à vous et dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez une expérience personnelle par rapport à de telles histoires de nourriture envoûtée. Réagissez dans la partie commentaire et expliquez-nous votre histoire. C'est à vous de jouer. Et nous vous donnons rendez-vous demain à 18h00 pour une autre vidéo. Restez connectés. C'est parti.